C'est ça la DS. C'est notre ADS, c'est notre AMD Tech C'est ça. System. Certains Enfin, je l'appellent peux la iTracker, mais nous on l'a légèrement modifié. C'est notre le... Ouais. ADS. Parce qu'il est vachement mieux. Du coup, il faudra pas mettre des photos un peu olé olé, quoi. Parce que du coup, Ouais, parce que là, on se fait ce... je regarde que je regarde les seins de Nomad depuis tout à l'heure. All right, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Voilà, donc ça c'est l'ADS. Maintenant, c'est nouvelle fonctionnalité de la Salty Academy. Parce qu'il y a pas mal de gens qui nous demandaient, bah voilà, quand t'es en situation de clutch ou ce genre de truc, on voit pas forcément les choses. Voilà. Là, vous pourrez peut-être bah, voir ce genre de truc-là, c'est-à-dire de savoir quand on est en situation de clutch, quand tu regardes vite fait sur le timer, toujours regarder le timer, le nombre de fois où les personnes regardent le timer, le clean feed, etc. Machin truc. Ça vous permettra de comparer parfois avec des prises d'informations que vous avez pas. Par exemple, quand je vous ai déjà dit par le passé d'arrêter. De laisser le truc show versus notification, c'est normal, il faut l'enlever ce truc là, avec marqué 3v4 là, ça c'est à Welcome enlever, hein. To the salty voilà, c'est, tout le monde doit l'enlever ce truc là. Et du coup c'est quoi que je voulais dire, je voulais, on m'a dit ouais c'est quoi le truc qui suit ton curseur, c'est l'ADS, en fait ça suit pas le curseur, mais comme je regarde le curseur, automatiquement t'as l'impression que ça suit le curseur, mais ça suit mes yeux, ça regarde tout, c'est là où je regarde. Ouais, on va vous le faire voir, on va vous le faire voir tout de suite, vous allez voir. C'est vraiment très précis, c'est vraiment très très précis. Ça fait 6 mois, ouais, 8 mois qu'on en parle. Enfin, qu'on n'en parle pas. Non, ça fait 6 mois qu'on en parle, mais en fait, pour être tout à fait franc, on voulait l'intégrer au truc de la Salty Academy. Moi, il était dans mon panier Amazon avec Mary depuis très très longtemps. En fait, c'est Narto qui nous en a parlé. Parce qu'il faut savoir que Ubisoft utilise ce genre de truc-là, organise parfois des sessions de jeu chez Ubi. Où ils utilisent l'eye tracker, mais derrière ils analysent les données pour savoir si la personne regarde bien au bon endroit. Tu vois, dans les menus, etc. C'est hyper important d'avoir une personne qui vient d'arriver sur le truc, quoi. Et du coup, Narto nous avait parlé de ça, et après il est resté dans mon panier. Vu que c'est un dispositif qui est pas donné, hein, c'était pas venu tout de suite. Il y a un mec qui vient de se rejoindre sur Rainbow Six avec déjà le logo le Llama Buster. Non, sérieux ? Ouais, excellent. Excellent. On pourrait aussi utiliser un autre truc qui permet en fait sur Twitch. Twitch permet d'avoir une extension et un overlay qui n'est pas intégré à l'overlay du joueur, c'est-à-dire le mien. Mais vous qui permet de personnaliser le rond, de le faire apparaître, de le faire disparaître, de faire un plus grand rond, un petit rond. Bref, c'est vous qui gérez le rond qui apparaît à l'écran. Le problème, c'est que si on fait ça, les personnes qui sont sur téléphone, parce que les extensions Twitch ne marchent pas, ne l'auront pas. Et sachant que il faut que vous connaissiez à peu près les chiffres du stream français... vous avez 40 personnes qui sont. Enfin, non, vous avez 30% de personnes qui sont sur PC, 30% de personnes qui sont sur iPhone et 30% de personnes qui sont sur Android. Voilà, c'est à peu près ça. Et le reste, il y a une belle part de consoles. De mémoire, c'était pas tout à fait ça parce que les consoles, je me souviens que c'était 12%. Et derrière, il y a les autres trucs. Voilà. Donc, console et téléphone, on s'est dit on va pas le faire parce que voilà. Donc, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et voilà. Bon, il va pas nous faire chier longtemps l'autre là, pendant 3 heures là, sérieux. Ah, oh, t'es sur moi derrière la fenêtre quoi. Je sais même pas s'ils sont en haut ou en bas. En bas. Pourquoi tu rigoles? Bah les gens qui disent c'est quoi le rond chelou qui se déplace à l'air. Ouais moi aussi me demande. Bah, pourquoi y'a un. C'est la DS les mecs. C'est la nouvelle technologie de la Salty Academy. Bouge pas. Encore. Oh, tu me l'as mis dans les couilles. Oh. J'adore tout ce qui va dans ma chatte. Lena 2018. 2019. Pourquoi elle l'a pas interrogé? Je sais pas, j'ai pas compris. Merde, je suis coincé dans le trou. Merde! Merde, je vais avancer!
À l'aide. Couloir. Oh non, ça me fait rollback. Ça me fait cheater. Pas bien. Là-haut, tu vois un lama ? Eh ben c'est ça là, le nouveau design que vous allez bientôt retrouver certainement sur les t-shirts, sur les casquettes et tout. Et moi j'aurai mon pull avec le Lama Busters. Parce moi que je pense que ça va la résistance passer, que dans 24 heures on prend... La résistance est ouverte. Il est ouais, temps de prendre position et de résister au lama. Moi je suis à 10 000 à l'heure. Attends, je le prends. Cavera morte. Je refais sonner. Vas-y. J'ai ton drone ici, attends. Sur le diffus, sur le... Nice. Ouais, non. Oh non, pourquoi ça me fait tomber ? Sur moi, fais gaffe, s'il va sur le diffus, t'es mort, hein. Faut que tu te rapproches. T'es bon ? Non, là, c'est bon, il est bon. Nice, les gars. Là, mon sang, je vais aller. On va le voir avec le maestro. Smoke encore ici. Billard. Ok, il y a Thatcher. Thatcher, ouais, guitare. Et puis toi, merde. Guitare, il est rentré. Nice. Moi. De toute façon, laser. Guitare. Fais gaffe. Ouais, lésion sur pink, GG. Morte. Nice, c'est un monstre. J'ai un bouclier qui arrive. Ça va me rush. Je vais avoir besoin d'aide. Ça me rush. C'est un monstre, le Jeff. T'as su, il y a peut-être un glaze. Ah ouais, ma poulette, hein. Ça c'est normal. Fais gaffe au gaz. Non, les smokes, fais gaffe au gaz. Pentam. GG, voilà. Bisous poulet, ciao. Sur ce, on va s'arrêter là. On va se retrouver dès demain pour de nouvelles aventures tout à fait fantastiques.